avec le numéro 11 du Blizzard Séminaire Saint-François, Maxime Collin, à m'accompagner. Bonjour, Maxime. Bonjour. Maxime, le moment tant attendu est arrivé. On dispute la première rencontre de cette série finale de la, Ligue Midget 3 du Québec. Comment tu entreprends cette rencontre, Maxime? Bien sûr que c'est spécial parce qu'on travaille depuis le début de l'année pour être rendu ici. On l'entreprend pas mal comme la même façon qu'on a entrepris nos matchs pour se rendre ici. Confiant, pas sous-estimer l'adversaire puis rester dans le plan de match. Maxime, si on revient aux séries éliminatoires de cette saison, vous avez débuté les séries avec les Forestiers d'Amos. Ça s'est fait assez rapidement en trois. Vous avez compté beaucoup de buts. Par la suite, l'adversité est arrivée. Les Canadiens de Châteauguay vous ont quand même coiffé. Vous avez eu les riverains, pas les riverains, mais les Commandeurs de Lévis qui vous ont donné une bonne adversité. Alors, de ces deux séries-là, vous amenez quoi là, dans votre bagage comme expérience pour le début de cette finale de la Ligue Midget 3? C'est vrai que comparé, on a vu l'adversité pendant nos séries, fait qu'on sait à quoi s'attendre. On est prêt, on garde le même système de jeu, le même plan de match, puis on va garder le même plan. Hey Maxime, parle-moi un peu, je n'ai parlé avec l'entraîneur aussi, que Jacob Pelletier il a été dit juste les boys du Blizzard, ce serait le fun d'aller en Colombie-Britannique. Je ne sais pas si tu avais vu cette information-là. Ça m'a fait. Est-ce que avant de partir pour la Colombie-Britannique, il va falloir se concentrer sur les parties ici, hein? Parce que vous êtes pas. Ils vous donneront pas un laissez-passer immédiat, là, toi, Rivière. On sait qu'on l'aura pas facile. C'est une excellente organisation. Très fiable défensivement, certains punchs à attaque aussi. Fait que ça sera très dur, puis il va falloir travailler fort pour se rendre là. Oui, parce que l'équipe de Trois-Rivières est bâtie sur leur défensive. Un très bon gardien de but aussi, Benjamin Lavoie. Alors, Maxime, tu aurais. Une pronostic, là, sans savoir si c'est similaire à Saint-François ou toi, c'est quoi ton objectif dans cette série finale? C'est sûr qu'un objectif d'équipe, c'est de la gagner, la série, n'importe quel nombre de matchs, n'importe quelle manière, mais rester confiant et revenir avec la victoire. Maxime, merci beaucoup. J'espère qu'on va se revoir d'ici la fin de cette série. Alors, j'étais avec le joueur des Blizzards du Séminaire Saint-François, le numéro 11, Maxime Alain.